Je suis Julien Angevin de la société Sushi Wave qui existe actuellement depuis 2005. Nous proposons des sushis, des pokéballs et toutes les variantes, on va dire, du mot générique sushi. Ben, cette aventure a commencé bien avant 2005 où j'ai créé l'entreprise, puisque je suis parti en formation en 2002 avec un maître sushi en France, hein, dans le 15e à Paris, qui m'a formé pendant quelques mois. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire quelques sushis dans ma cuisine chez moi et avoir commencé avec ma clientèle. Et puis après, j'ai lancé Sushi Wave en 2005, sushiwave.com. Et aujourd'hui, nous avons non seulement des clients sur place, des clients emportés, des distributeurs, et moi-même, je chapeaute un petit peu l'ensemble de plusieurs restaurants et d'une holding, quoi. Et également, je forme le personnel en tant que maître sushi. Aujourd'hui, je forme mon personnel à faire les sushis convenablement, en tous les cas, de façon à ce que les clients soient satisfaits de notre produit. Des sushis, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai été passionné aussi, c'est de l'autre côté, en fait, de la planche à voile, donc ce qu'on appelle plus communément le funboard. Et c'est vrai qu'en lors de mes différents voyages à l'étranger, j'ai pu effectivement découvrir le sushi et j'ai quand même remarqué que c'était quelque chose d'excellent, moi qui aimais beaucoup le poisson cru. Et je me suis dit pourquoi pas ça, tout en sachant en plus que je suis cuisinier de métier, hein, donc forcément c'est à partir de là qu'est venue l'idée de créer mon entreprise de sushi. Aujourd'hui, Sushi Wave a 25 salariés avec encore d'autres idées de progression, de perspectives de développement. Ben, tout simplement, Sushi Wave, c'est l'association de ce que j'aimais, le sushi, et puis également ma passion que j'exerce jusqu'à maintenant, même si j'en fais un peu moins parce que en tant que chef d'entreprise, c'est jamais simple, c'est le windsurf, en fait le funboard. Okay? Et j'ai également été l'un des premiers à avoir fait du kitesurf en Martinique. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plus autant de temps pour mes passions, mais j'ai toujours autant de matériel pour naviguer, pour me faire plaisir sous là avec mes amis, mes copains, dès lors où le vent le permet. Le logo Sushi Wave, c'est une vague des fers qui, en quelque part, veut dire tout simplement la déferlante sushi que Julien Angevin va instaurer, en tous les cas, dans la Caraïbe, certainement. Avec des hauts et des bas, hein. Comme tout chef d'entreprise, il faut s'y atteler parce que ce n'est pas simple. Serait-ce que déjà au départ, quand vous créez l'entreprise, vous avez tellement de papiers et de démarches à faire que ça peut décourager plus d'un. Bon, après, une fois qu'on aime ce qu'on fait, on est passionné, eh bien, comme ça a été mon cas, hein. Et toujours d'ailleurs, on forme du personnel, on se développe et puis même s'il y a des jours où les choses sont compliquées, on fait avec parce que forcément, ça fait partie aussi du jeu et de la vie. Hein. Rien ne peut pas être rose tous les jours. Les anecdotes heureuses, c'est tout simplement de savoir que dès lors où j'ai commencé en 2005, j'ai des clients avec qui en tous les cas, j'ai eu l'occasion de faire des sushis pour eux depuis en 2005 et qui jusqu'à maintenant sont encore mes clients. Ils sont très contents et ils partent à l'étranger, ils mangent des sushis, mais ils reviennent toujours à la case départ parce qu'ils constatent quand même qu'il y a une qualité et un sérieux qui est fait derrière mes sushis. Les tarifs, ils sont ce qu'ils sont. Hein. C'est-à-dire que forcément, il y a des clients qui vont vous dire qu'ils ne viennent pas à Sushi Wave parce que c'est cher ou bien ci et ça. Sauf que malheureusement, tout augmente tous les jours. Le saumon, on connaît le prix du saumon au kilo aujourd'hui à différence de la France avec le transport en avion. Et puis bon,
Je ne fais pas non plus comme certains concurrents qui utilisent du poisson congelé et qui ont toujours l'impression effectivement qu'ils sont de meilleure qualité. Un poisson congelé ne peut pas être de meilleure qualité qu'un poisson frais. Ça, c'est hors de question de le comprendre. En tous les cas, ce n'est pas possible. Donc forcément, en faisant des sushis avec du poisson congelé, on est forcément moins cher. Donc après, la qualité a un prix. Je vais simplement leur dire que rien n'est simple de toute façon dans la vie. Maintenant, à partir du moment où on a pris l'engagement de vouloir créer une entreprise, forcément, il faut s'y atteler et de garder la foi dans ce qu'on fait. On croit à son projet, on va au bout. Et pourtant, c'est aujourd'hui le plus difficile. Ce n'est pas d'avoir de l'argent pour créer une entreprise ou de faire avancer son entreprise. C'est plus les ressources humaines qui ne sont pas simples à la Martinique. Cependant, on peut quand même toujours trouver la perle rare qui permettra de pouvoir avancer dans cette entreprise et la faire prospérer, tout simplement. Mais il ne faut pas baisser les bras, hein, comme on dit chez nous, un tchébéret de pas molli.